la carte bancaire est le moyen de paiement préféré des Français. Les professionnels, notamment les commerçants, ont bien compris cette tendance. C'est pourquoi ils se sont largement équipés en terminaux de paiement électroniques, les fameux TPE. Mais comment faire pour encaisser si vous êtes amené à faire des déplacements fréquents ou occasionnels dans le cadre de votre activité ? Bonjour et bienvenue dans cet épisode du sein des experts dédié aux solutions de paiement en situation de mobilité. Je suis Yousra, conseillère de clientèle professionnelle chez SG et je vais répondre aux questions que vous posez. On commence tout de suite avec la question de Dimitri. Je suis plombier, c'est utile un terminal de paiement ? Oui, c'est utile et c'est même recommandé. Il y a de nombreux avantages à utiliser un terminal de paiement. En premier lieu, vous sécurisez vos encaissements et vous évitez les risques de chèques sans provision et de fausses monnaies. Ensuite, vous vous mettez à l'abri des vols et agressions qui peuvent vous arriver quand vous transportez des espèces. Enfin, vous améliorez votre suivi comptable. N'oubliez pas, Dimitri, que les encaissements en liquide par les professionnels sont très suivis par les services fiscaux. Grâce au paiement par carte, vous gardez une trace de vos encaissements. Est-ce que je peux accepter les cartes de paiement de mes clients quand je suis en déplacement ? Oui, Abigail, il y a une solution pour encaisser les paiements par carte bancaire quand vous êtes en déplacement. C'est le terminal de paiement mobile, un appareil qui ressemble beaucoup au TPE traditionnel. Sa spécificité, c'est qu'il utilise les réseaux de télécommunications sans fil pour communiquer avec la banque. Pour cela, il est doté d'une carte SIM, comme sur les téléphones portables. Simple d'utilisation, les terminaux mobiles ont tout de même une limite et sont dépendants de la couverture réseau de l'opérateur de téléphonie mobile. Et si vous vous déplacez dans ce qu'on appelle une zone blanche, c'est-à-dire un territoire non couvert par un réseau mobile, vous ne pourrez pas encaisser dans certains cas. Quelle est la meilleure solution d'encaissement à distance ? En fait, Paul, toutes les solutions disponibles pour les professionnels sont différentes les unes des autres. Elles présentent tous des avantages et des inconvénients à prendre en compte. Il ne s'agit donc pas de savoir quelles solutions de paiement sont les meilleures, mais plutôt lesquelles sont les plus adaptées à votre activité. Finalement, Paul, le mieux que je puisse vous conseiller, c'est de vous rapprocher de votre conseiller en agence. Il pourra vous guider dans votre choix en fonction de votre activité et du volume mensuel de vos transactions. La banque propose-t-elle des solutions clés en main ? Plusieurs acteurs sur le marché peuvent vous proposer des solutions. Mais je dirais que votre banquier est le plus légitime pour vous présenter une solution qui tient compte de vos besoins et de vos contraintes. Chez SG, nous proposons une offre clé en main qui inclut la location d'un terminal de paiement et un service d'assistance et de maintenance. Vous avez un large choix de terminaux pour encaisser en point de vente ou à distance. Ces terminaux acceptent les paiements par carte ou par smartphone sans contact. L'installation est-elle simple ? Oui, chérine, par exemple, chez SG, les solutions pour encaisser sur le lieu de vente ou en déplacement ont été conçues en mode plug and play. Tous nos terminaux sont préparés et conditionnés pour un fonctionnement dès la livraison. Et vous bénéficiez d'un service d'assistance technique par téléphone. Et si vous en ressentez le besoin, vous pouvez même demander à être accompagné par un technicien sur place pour l'installation de votre matériel. Après tout, chacun son métier. J'ai vu une pub pour encaisser avec mon smartphone, vous en pensez quoi ? Vous parlez sans doute, Maxime, de la solution MPOS ou Mobile Point of Sale, point de vente mobile en français. Il s'agit de ces petits terminaux de paiement mobile de type PinPad qui se connectent en Bluetooth à votre smartphone ou à votre tablette. Leur utilisation nécessite l'installation d'une application de paiement. Vous pouvez donc encaisser des ventes partout avec un équipement réduit. Quant à savoir si je vous conseille ce matériel, cela dépend, Maxime. La solution MPOS peut être adaptée si vous venez de créer votre activité, que celle-ci nécessite une grande mobilité et que votre volume d'encaissement est limité. Côté avantage, vous pouvez bénéficier d'une grande mobilité selon la qualité du réseau de votre opérateur mobile, ainsi qu'un suivi des transactions directement sur l'application MPOS. De plus, le ticket de caisse est dématérialisé et peut être envoyé directement par email ou par SMS. Côté inconvénient, le temps d'encaissement peut être un petit peu plus long en cas de saisie des coordonnées du client pour transmettre le ticket de caisse. Je suis médecin, existe-t-il une solution adaptée à mon activité ? C'est une très bonne question et la réponse est oui. Il existe des terminaux de paiement deux en un. Ils permettent non seulement l'encaissement des cartes bancaires, mais aussi la lecture des cartes vitales pour la télétransmission des feuilles de soins. Et si vous êtes amené à vous déplacer chez vos patients, il existe des terminaux pour l'encaissement en mobilité. En déplacement, je peux encaisser n'importe quelle carte bancaire ? Tout dépend du terminal de paiement que vous choisissez, Alexandra. Si vous choisissez la solution MPOS, seules les cartes bancaires CB, Visa et Mastercard sont acceptées. Si vous voulez pouvoir accepter les cartes Titre Restaurant, American Express, JCB ou Union Pay,
il vous faut envisager une solution d'encaissement plus traditionnelle. Combien ça coûte de s'équiper d'un terminal de paiement itinérant? Tout dépend de l'offre que vous choisissez. Dans le calcul, il faut intégrer le coût du matériel à l'achat ou à la location, les frais liés aux communications et les commissions liées aux transactions monétiques. Je vous invite à demander à votre conseiller bancaire de vous faire le calcul pour avoir une idée précise du coût total. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère que ces quelques minutes vous auront permis d'avoir les idées plus claires sur les solutions d'encaissement itinérant. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet et répondre à vos questions.